Enfin, premier objectif, c'est de faire un premier état des lieux des pratiques de scolarisation de nature à nous éclairer sur les politiques publiques qui sont conduites dans les 6 îles de l'océan Indien, à savoir la Réunion, Mayotte, Madagascar, les Comores, les Seychelles et l'île Maurice. Et le second objectif, c'est, étant donné la nature des acteurs qui participent à cet atelier, c'est de dégager des pistes de collaboration, des projets, des actions communes, notamment au niveau de la formation, inter-IL ou entre les institutions ou entre les associations et associant le public et le privé. C'est une grande opportunité pour nous d'être là parmi les associations et bien qu'il y ait eu aussi une représentation des ministères. Ça nous fait un grand plaisir de s'échanger, avoir plus une comparaison de la manière dont nous, les membres d'associations existantes aux Comores et ceux des autres îles. C'est une bonne échange qui est très fructueux à notre côté. Ce colloque organisé par CIEP est tombé au juste moment parce que c'est un apprentissage pour nous. Et aussi, ça nous a aidé beaucoup pour, avec des idées qui vont nous aider dans la formulation de notre mission pour les secteurs en général. Donc nous, on est en train de mettre en place donc, le dispositif pour prendre ces enfants dans les écoles ordinaires et publiques de Madagascar. Donc la raison pour laquelle je suis ici, c'est de partager avec les îles et d'avoir quand même une vision commune avec toutes ces îles sur les stratégies de cette éducation inclusive. Alors je suis venu non pas en tant que directeur de l'association Le Vavasseur, qui est une association réunionnaise gestionnaire d'établissements médico-sociaux, mais comme membre d'un réseau qui réunit d'autres associations similaires à travers tout l'océan Indien. Une à Mayotte, l'association Toi aussi, trois à Madagascar, ACBHM, APAJHMM et Malinjou, une à Maurice, l'association APEIM, et une association à Rodrigue, l'association du frère Rémi. Ce réseau s'est constitué de manière un peu informelle à travers des partenariats antérieurs, on va dire, notamment un jumelage avec l'association Toi aussi, et puis des actions de soutien technique financé par Handicap International avec Madagascar. L'idée est venue à travers ces partenariats, puisque de leur côté, les associations malgaches avaient aussi travaillé avec la PEIM de Maurice, de créer un réseau absolument non lucratif, puisque nous sommes des associations à but non lucratif, toutes dédiées à la prise en charge de personnes handicapées, d'échanger des documents, des nouvelles, et de créer peut-être des actions de formation, d'échange de professionnels, de dons de matériel, pour s'aider les uns et les autres dans nos missions. Alors, le CIEP nous a donné l'occasion de nous retrouver, puisque nous avions signé l'année dernière une convention cadre de partenariat qui formalisait notre identité, nos objectifs et les moyens qu'on se donnait. Donc je suis très heureux d'être venu retrouver nos collègues, puisque géographiquement nous sommes distants et les liens internet ou postaux ne sont pas toujours suffisants. Cet atelier a été rendu possible grâce à un partenariat financier qui est de deux ordres. D'une part, un partenariat financier du Conseil régional de la Réunion, qui a financé une grande partie de cet atelier, et d'autre part, des 14 associations dont je vous parlais, qui ont contribué plus modestement, mais qui ont contribué de façon significative financièrement à la tenue et, je l'espère, à la réussite de cet atelier. Il faut également rajouter à ces partenaires financiers des partenaires techniques qui nous appuient dans le cadre de cette action. Je pense par exemple au Conseil général de la Réunion qui a octroyé au CIEP un financement pour appuyer les actions qu'il mène avec Handicap International à Madagascar par exemple. Il faut aussi ajouter à ce partenariat le partenariat de la municipalité du Tampon qui nous a aidé sur le plan logistique et également de l'Université de la Réunion qui nous accueille dans ses locaux.
ces deux jours m'ont permis d'élargir et d'étoffer le réseau que je connaissais déjà, qui était Mayotte-Réunion, Mayotte-Madagascar, Mayotte-Comores, bien sûr. Et là, ça m'a permis de rencontrer enfin Madame Alessandri, en particulier, donc les personnes du réseau de Maurice, des personnes du réseau des Seychelles aussi, que je ne connaissais pas, et peut-être de donner un nouvel élan à un réseau qui existe déjà, donc, dont plusieurs personnes ont déjà dû vous parler au cours de ces petites interviews, donc, qui est le réseau Katsakat, qui est le réseau Océan Indien sur le handicap mental, donc, dont l'association Toaous est aussi membre, et qui va peut-être effectivement permettre, là, avec ces nouvelles rencontres, de travailler sur une coordination entre les acteurs, non seulement à l'intérieur de chaque île, mais entre les îles. Donc je pense qu'il y a un développement futur à nouveau de la zone océan Indien à partir de ce thème de l'inclusion scolaire qui va pouvoir vraisemblablement déboucher aussi sur bien d'autres thèmes qui nous concernent tous. Les deux journées ont apporté d'abord de découvrir un peu ce que vivent les autres îles, et parce qu'on a, je crois, quand même une identité insulaire qui compte, malgré que nous essayons, enfin que souvent à Maurice on nous rappelle que nous sommes aussi africains, n'est-ce pas, ou européens, ou que nous appartenons à l'Asie de par la population, mais nous avons des choses à partager au niveau des îles, et c'était ça qui m'intéressait, de savoir un peu de comment, avec des points communs, dans des contextes différents, nous travaillons, et comment nous pouvons travailler ensemble. Ce qui m'a été donné, c'est qu'on a beaucoup encore à faire par rapport à la Réunion, mais on a pu quand même capitaliser ce que les gens ont fait. On pense qu'avec les réflexions qui étaient faites avec tous les participants, on peut donc avancer dans une amélioration de ce que peut être donc l'éducation inclusive d'ici quelques temps, puisque c'est tout un processus qu'on peut faire en un seul temps. Alors, un très fort sentiment de convergence, je ne vais pas dire d'identité encore, mais on voit que les choses se rassemblent, s'unifient, s'harmonisent entre les différentes pratiques sur le terrain. Après, les dispositifs politiques, les politiques sociales des différents pays, évidemment, se sont construits à des hauteurs très différentes, hein. Néanmoins, sur le terrain, on retrouve des préoccupations, notamment dans les formalisations des relations avec les personnes handicapées, dans le travail avec les familles de ces personnes handicapées, dans la volonté de créer des réseaux de partenariats, alors cette fois-ci locaux, sur chacune des îles, et puis de continuer à mutualiser nos forces interassociativement et à travers tout l'océan Indien. Au cours de ces deux journées, première chose, on a eu l'occasion de faire un constat de ce qui se passe à travers les îles ou dans les îles de l'océan Indien. Nous avons été émerveillés par les acquis de la Réunion en termes d'encadrement, de support, des facilités que vous offrez. Donc il y a tout un paramètre de facilités que vous offrez à ces enfants pour l'inclusion dans le cursus de l'école, dans la société, et puis par extension, la famille, la communauté. Donc, ce qui me retient aussi de ces deux journées de travail, c'est surtout l'ambiance qui a prévalu, l'esprit d'équipe et les échanges qui ont été vraiment, vraiment très, très enrichissantes, surtout avec les experts qu'on a eus, que c'est hyper mobilisé pour nous. Le premier grand enseignement que je retire, c'est d'abord que cette rencontre a eu lieu, parce que ça, c'est quelque chose qui est une excellente initiative, et je suis très heureux que le CIEP l'ait prise, parce qu'à notre époque, je crois qu'on ne peut plus faire l'économie dans les systèmes éducatifs d'une réflexion sur l'éducation inclusive. Et réunir autour de ce thème les gens que vous avez réunis était quand même quelque chose de très important, je crois, qui devrait avoir une conséquence ensuite sur l'avenir de ce type d'éducation dans les îles que vous avez confiées, que vous avez conviées. La conclusion que je peux retirer de cette réunion, c'est que chacun est prêt à assurer un suivi très opérationnel des travaux de réflexion que nous avons menés pendant ces quelques jours, sur des thèmes comme les partenariats autour de l'élève à besoins éducatifs particuliers,
sur le thème de l'éducation inclusive elle-même, qui est quand même un concept qui demande à être précisé et qui l'a été au cours de ces deux jours, je crois que chacun est reparti avec la conviction que c'était quelque chose de très positif pour les enfants qui en avaient besoin, mais aussi pour l'ensemble des élèves dans une classe, dans une école. Sur le thème aussi de l'accueil des élèves dans les classes, je suis très heureux aussi d'avoir vu que les représentants de l'Académie étaient là, au début et à la fin. Ça montre une certaine, à la fois reconnaissance de l'événement et en même temps une certaine volonté de donner suite à ce qui a été évoqué pendant ces deux jours. Voilà, moi je crois que tout cela est très positif et qu'il appartient maintenant aux gens qui étaient là et à vous-même de vous emparer des conclusions de ce colloque pour les mettre en œuvre et assurer un suivi qui, à mon avis, est souhaité par la plupart des participants à cette manifestation.